venir ici. Hein. Je sais pas. En passant par l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On va choper. Moi je reste dans l'hélico, c'est ça. Ouais, okay. Moi je vais m'acheter juste un viseur parce que j'en ai pas. Attends, je vais juste me prendre de la bouffe. La sortie ouais, elle est prenez où? De la bouffe pour moi s'il vous plaît. Ouais, ouais. Ah, t'as pris une MXC là le... Je vais prendre assez de bouffe parce que s'ils me demandent ouais, t'as de la bouffe ou un truc comme ça, c'est qu'ils en ont besoin, qu'ils pètent un câble. Normal qu'on est de retour à Kavala en fait. Il est déjà 1h20, ça passe vite en fait, ouais. No whisper target found. Ok, mais il commence à vieillir notre otage. Ah, c'est pas mal ça. On fait trop de fois. Go. Arrête, c'était pas mal ça. Rambo. Attends, c'est bon. Ah, attends, je vérifie si j'ai pris un télémètre. Les peurs sont télémètres, c'est bon. Ouais. Il est parti où l'hélico? Oh putain, il est derrière. On est couché en fait, j'ai oublié de faire un truc. Putain, il est où ce putain d'inventaire? Je crois pas qu'il y en a sur le bord. Si. Hop là. Ah, mais c'est que je suis négociateur. Putain, non, parce que je suis le négociateur en fait. On prend un parachute ou pas? Non. Là, tu dis, à moins que tu veux te barrer avec voilà. Une munition dans ton arme en parachute. Désolé les gars, je prends un peu de temps, mais faut juste que je me reste. J'aurais juste besoin qu'on me lâche moi sur la petite crête là qui est de l'autre côté de l'île. Mais mets un point par contre parce que sinon je vais me lancer en Ouais, mettez aussi un point à l'endroit de la prise d'otage. Un truc en groupe là, en canal groupe. Et otage. Ok. Putain, il est où ce putain de DLS? Voilà. Allez, on est parti. C'est la grosse jade qu'elle va là. Par contre, j'aurais une visu que sur l'arrière de la villa. Ouais, t'inquiète. Ouais, bah si, je vais essayer de les emmener en arrière. Bah, de toute façon. Ils ont bien choisi leur point, et comme il y a beaucoup de plaines, c'est très plat en fait leur endroit. Ouais, de toute façon, je vais rester en contact avec vous tout le temps, donc je vous donnerai les informations dès que je comment sais. Comment il a écrit otage? A-U-T-A-G-E. Je sais pas, j'ai écrit vite fait, mec. Pas mal. GG. En fait, tu t'es cassé le cul pour rien parce que ça demande plus de lettres. Qui est ton dyslexisme? Allez, on est go. Ouh, t'es sexy toi avec ton bonnet. Oh. My ding ding dong. On est 3 dans l'hélico. c'est un hélico de combien de places? Bah 3, ce sera plutôt. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. T'as plutôt 3. On est 5, ok, y'a 2 personnes en plus. Ah oui, y'a encore le pilote qu'on sait. Tu sais que t'es quand même presque à 2 km de la zone, le snipe. Non. Bah 1 km environ, 1 km 2 environ. Mais c'est un sniper, hein. Ouais, fermement. Ça va, quand j'étais sur l'Ilium, y'avait une base. Base personnalisée, tu sais. Une base à louer. Juste ouais. À cet endroit-là, un peu plus haut. Et en fait, juste au-dessus, t'avais la mine de diamants. Moi, ce que je m'amusais à faire, c'était prendre un sniper, me poser justement sur la crête, et dès qu'il y avait des petites ou de ça qui passaient, je m'amusais à buter leur rouille, ils savaient pas d'où ça venait. C'est tellement marrant. Oh, v'là Nyoz. Nyoz. Ouais, enfin, Nyoz, c'était bien marrant. Ouais, entre moi, c'est à 1000 mètres, entre 1100 et 1000 mètres. Ouais. Et comme j'ai dit, j'aurais qu'un visu qu'à l'arrière, donc. Faudrait que j'essaye de les emmener à l'arrière. Non mais en fait ouais, c'est ce que je pense, c'est que t'auras aucun visuel en fait, sur ça sert à rien que t'es là. Ouais. Bah à part ça c'est très... Y'a beaucoup de plaines, hein. C'est que des plaines, hein. Donc ça va être chaud quand tu les auras bon endroit. Bon, j'ai un calepin à côté, je vais marquer tout ce qu'ils veulent. Ils veulent s'extraire, de toute façon faut bien qu'ils aillent à l'arrière. Ouais, y'a les véhicules à l'arrière. Bah oui. On a un niveau sur le moins d'un kilomètre. Vous bouclez les avant et moi je snipe par derrière. Ah voilà. Voilà. Et moi je vous dis tout ce qu'ils veulent et tout. Je crois que je vais me mettre en autre chose qu'en push tout all, comme ça vous allez tout entendre ce que je dis. Ça vous pose aucun souci. Vous
traîner pour nous faire perdre de vieillesse ou quoi? Non, pas du tout, mais étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment, enfin, on arrive, on est en route là, tonton. Hein. J'ai que 5! Mais alors, m'en fous, je veux pas savoir. Ah, d'ailleurs, tant qu'on y est, tonton? Ouais. Tu pourrais juste ban Al-Qaïda? C'était fait? C'est pas parce qu'on l'avait vu encore, des gens. Ouais, il s'était reconnecté. Hein. Ah, oui, non, on avait juste qui, je crois. Et au fait, tonton, il est où, Sunday? Parti manger. Je l'ai tasé et quand il fait qu'il part, il fonce dans les véhicules et dès que tu le tases, il se découvre. Voilà, il est. Merci, tonton. La brigade Benioz, il vient pas avec vous? Je sais pas. Éphimère, maintenant on est en route, hein. Quelqu'un me passe la bouffe, s'il vous plaît. Ah merde, j'ai même pas pris de bouffe, les gars. Dès qu'il veut de la bouffe. C'est un Ymir. Pose au moins un chunk. T'as besoin? J'ai 20 trucs de 20 donuts et 20 bouteilles d'eau sur moi. Merci mon gars. Putain, est-ce que tu vas spawner? T'as déjà spawné ou quoi là, News? Non. Bon bah tu te démerdes pour nous rejoindre, hein. Bon, okay. Sophia. Bibolzi. C'est trop long donc l'ultimatum. 14h05. Ah, ça va? Oh non, je peux les payer, c'est funérailles, mon gars. Attendez, deux secondes, j'arrive. Je suis trop fier. 14h05. Oh mon gars, que 5 minutes. Ouais, c'est faisable. Ah merde, ah oui, 14h05. Ah d'accord. Oui, tu croyais 14h05. Je croyais une game. Ouais, ça va, il est 59, on a le temps. On sera arrivé avant. Je dis quand tu pourras me lâcher là. Ouais, 2,1 km là. Et je te dirai maintenant parce qu'il y a la petite plaine justement là où il y avait l'ancienne passe sur le serveur, mais bon, ça c'est autre chose. Ah, je me suis pas. Attends. Bah, tu le déposes avant. Avant le bout de la banane là, si on peut dire ça comme ça. Avant le bout de la banane. Bah, quoi? C'est bon là, c'est bon. Oh, t'es encore un peu trop loin alors. J'ai pensé, tu sais, sur la petite base là. Faut pas qu'ils aient une vision sur nous. Bon, de toute façon, c'est le négociateur qui vole au début donc. Et quoi, essaie de poser vos stats comme tu veux. Ouais. Mais comment tu vas voir, y'a base brouillard. Ah. Mais moi j'ai pas de brouillard. C'est vrai. Hein? Attends. Non, c'est juste du brouillard. Attends. Ah, t'as des ropes? D'autres. C'est bon, je descends. Ouais, te casse pas une jambe hein, parce que c'est bon. Tu te démerdes. C'est bon, go. Je monte juste un peu la tête. Merde, le négociateur se tient prêt à descendre. Vous m'entendez bien sinon? Ouais. Ok, c'est cool. Ouais, moi je suis prêt là. Ok, on a plus que 5 minutes pour arriver, c'est bon. On est arrivé là. C'est à qui l'hélico de flic là? Le. C'est pas un hélico de flic, c'est un hélico rebelle. Mais parce que je le vois en bleu, le Hummingbird. Oui, c'est normal. Vas-y, tu me descends en rappel. Ouais. Tu descends en rappel? Non, ouais. Y'a que moi qui descends. Fou. Allez, on compte sur moi. Vas-y, tu me poses ici. Ah, les vilains. Attends. Tu me dis quand c'est bon, hein. Ah, mais c'est les membres de ton équipe en plus. C'est bon? Ouais, attends. Je me stabilise. Ça bug. Attention, vas-y, c'est parti. Ah ouais, c'est bon, mais j'ai un gros bug là, j'arrive pas, je suis toujours dans la cabine en fait. Attends, t'es dans le dedans. Attends. Je suis debout dans les cabines en fait. Gros bug de SimData. Maintenant descend normalement. Putain, le con, je vais spawner la tira.
C'est bon. T'envoies ou pas voir, là. Hein. Et t'envoies, c'est Eric ou pas. Attends, non, non, reste là et envoie-leur un message depuis. Ouais. Bon, nous, on va se mettre où du coup. Il n'y a plus que 3 là. Je suis où? Tu dis que t'es là où il est au point de rendez-vous. Essaye de t'envoyer Max, si comme ça j'ai une bonne vision. Mais t'envoies pas là. Non, non, pas pour l'instant, je regarde. Mais bon, non, il y a une chaise longue là. Ils doivent squatter dans, dans le bâtiment. Je dois te voir quand même, parce qu'il fait nuit dans le bâtiment. Voilà, je suis au point de rendez-vous, on les attend. D'ailleurs, c'est quoi la remise? Je vois absolument rien, j'ai rien vu. Voilà. Prends l'interdit sinon, bonne. Oh bah tiens. Allez, les gars, on descend, on descend. Y'a un truc pété sur le lit. Ouais, okay. Tout est pété. Entre 1000 et 1100 mètres. Merde, toujours pas de réponse au message, toujours pas là. Moi je vais rester sur Kavala du coup. Ah voilà, viens à l'entrée. Okay. C'est ça, Aurélien? Ouais, ouais, ils m'ont envoyé, viens à l'entrée. On t'attend sous-lieutenant. Alors, on va faire quoi? C'est de plus en plus nuit, je vois plus rien. Et 3 heures, essayez de tempo 2 petites heures. Bonjour messieurs, je suis là, je suis le négociateur, ne tirez pas. On se met à... Bonjour. Attends, attends, attends 2 secondes, hors RP, je monte le son pour moi bien t'entendre. À partir du maintenant, je vois que là où il y a des, là où il y a de la lumière. Puis déco, t'aurais la rage. Les gars, on essaie d'avoir une vue sur les gens. Attends, Aurélien, viens avec moi, on va rentrer. C'est normal, le regroupe. Aurélien, tu viens avec moi, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, vas-y. On va discuter tranquille. Je crois que je vois un MH9 à Minibird posé à l'arrière, donc ils vont certainement essayer de se poser à l'arrière. D'évacuer à l'arrière. Il va laisser où avec le drone? Bien sûr, mais bien sûr, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à le voir directement. Bonjour monsieur. Bon voilà, c'est pour. Bonjour. Donc viens, je vais te montrer l'otage déjà. Hein. Ah oui, je veux le voir. Ok. Et c'est bien, il a l'air de bien se porter. Quel otage, il va bien. Il se porte bien, il est sage. Donc bon, par contre, voilà. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est on veut. Un Zamac de café, un Zamac de donuts, c'est pour faire de l'humanitaire. Donc un Zamac de... Je vois cet hélico décoller. Un Zamac de donuts et un Zamac de café. Mais attends, parce que je crois qu'ils exécutent l'hôtel. Voilà, est-ce que t'es d'accord avec ça comme négociation? Ils vont essayer de se barrer par l'hélico. Oui, attendez monsieur, je note, je vais contacter mes collègues. Ok, ils veulent un Zamac de donuts et un Zamac de café. Viens, reviens, on va se mettre là, on va discuter tranquillement. D'accord. À côté de l'otage. On est balle. On est balle. Oui. Alors, donc, vous êtes d'accord pour ça ou... D'accord. On me dit d'accord dans l'oreillette. Quoi? D'accord. Ils sont d'accord avec ça. De quoi? Ok, très bien. Par contre, Nicolas, tu vas leur demander de dégager rapidement. D'accord. Et il vous faut pas de l'argent non plus. Je suis un peu pour rien. Non, on veut juste du café. Humanitaire. On veut un Zamac de café et un de donuts. Ok. C'est de l'humanitaire. Et tu dis à tes collègues de dégager, sinon on vous tue tous les deux. Ils demandent que vous dégagez, si pas, ils me tuent moi et l'otage. Et non, ils veulent pas d'argent. Ils veulent juste un Zamac de café, un Zamac de donuts pour de l'humanitaire. Et ils vous disent de dégager si pas ils nous tuent tous les deux. Donc voilà, monsieur, c'est dit. Bon bah les gars, très bien. Je peux aussi leur préciser que IRL c'est 14h06, il y a 8, j'entends pas l'hélicoptère décoller, je vous tue tous les deux. D'accord. Donc IRL c'est 14h06 et si à 8 il entend pas l'hélicoptère décoller, il nous fait péter tous les deux. Ouais, mais il est pété l'hélicoptère. Ouais, on me dit qu'il est pété l'hélicoptère. Vous êtes dans la merde. Et on n'a pas les clés, l'hélicoptère, il est relou. Ah, il est parti, Nako. Ah, bah, ah, oui, oh. Le plus grand problème de votre intervention. Mais quoi maintenant? Et il faudrait que tu enlèves tes JVN et que tu les donnes à mon collègue Antonio ici présent. D'accord, monsieur. Ah, parce que comme je suis dédié, je vais les prendre. Et on n'a pas les clés, surtout. C'est surtout ça le problème. Il faudra réparer et que. Vous avez même pas les clés.
Elles sont au sol. Il m'a dit de donner mes JVN, les gars, je vois plus rien. Ok. Par contre, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'ils ont eu un problème, donc ils doivent l'impound et aller le rechercher et revenir. J'espère que ça vous pose aucun souci. Pour la livraison, on attend, mais par contre, pour tes collègues dégagent, on n'attend pas. D'accord. Ils disent que pour la livraison, ils attendent, mais pour que vous vous dégagez, ils attendent pas. Mais on fait comment pour dégager? Ils sont drôles. Ouais, je sais pas. Recule à pied, recule à pied. Ouais, dis-leur qu'ils reculent à pied. Ils reculent à pied, on a pas les... Ils reculent à pied, monsieur. Laissez-leur le temps de reculer, ils s'en vont à pied. Et c'est noté pour... il vous faut rien d'autre à part les deux hamacs, hein, deux donuts, un de café. Non, non, les deux hamacs de donuts, un de donuts, un de café, et côté collègue quoi. D'accord. Ah, ils sont occupés de le faire, monsieur, c'est occupé de se faire, vous inquiétez pas. Très bien. Aussi, il faut qu'il y en a qui chargent des hamacs de donuts et de café, hein, parce que... Mais ils ont, t'imagines le trajet pour ramener des donuts, des hamacs de donuts, des cafés, on a plus d'unité si on fait ça. Il y a Nioz là qui peut le faire. Il m'en a plus l'unité. Rifleman, 3, 2, 1, 9, 2, 1, 0. Il partira à Kavala. C'est pour refaire de l'humanitaire. Donc voilà, messieurs, il faut juste le temps que ça se fasse. Du café, des beignets. Ouais, c'est mal, que... Si vous voulez, j'ai déjà du café et des donuts sur moi. Bah, tu peux les donner à notre otage parce que je pense qu'il doit commencer à avoir faim et soif. D'accord. Donc on est dans le. Voilà. Vous êtes à pied quoi. Ouais. 4, return to formation. Non, on est plus 2 sur zone. Et vous êtes où? Bah, c'est. En haut à droite. Il y a une espèce de villa. D'accord. Et vous les avez. Voilà, monsieur. Bah non, justement, c'est ça le problème. Oh putain, si je rajoute, je pourrais voir les loss. Ah, par contre, moi j'ai plus de visuel sur eux hein, parce qu'ils m'ont demandé de retirer mes JVN et du coup il fait noir complet. C'est que. Vous voulez que je rentre dans la maison là? Non, mais non, ils ont l'otage. Ah ouais, ils ont l'otage, mais ça va, il va bien, il est assis dans un coin d'une maison là. Dans la maison. Ah, la villa là, la grosse villa. Tu rentres et c'est juste dans un coin directement qu'il est assis là. Ils tirent sur quoi là? Tu veux que je leur demande? Non, demande toi. D'accord. Ouais, dans la merde. Vous reculez hein. Ouais, on a reculé. Ok, bon, va pas rigoler monsieur Aurélien là. C'est quoi ce bordel? D'où vous envoyez des drones sur zone? Attendez, mais mes collègues ont reculé déjà, j'espère que ça vous suffit. Ils ont vu le drone, c'est bon, arrêtez. Pardon. Le prochain flux qu'on aperçoit, le prochain véhicule qui n'est pas des hamacs qu'on voit, c'est vous et l'otage. D'accord. Donc ils disent que le prochain véhicule, le prochain flic ou quoi qu'ils voient, c'est nous deux, on y passe. C'est que moi j'ai envie de pas pour des cons. C'est bien, Ibeki il est peut-être à 20 mètres de toi. Hein. Donc, mais t'inquiète, au pire. Mais monsieur, par contre, pour les AMAC, faudra quand même que des policiers viennent vous les donner. Oui. Donc, vous êtes oui, bien d'accord. D'accord. Ils demandent pour ceux qui conduisent des AMAC qui viennent à poil comme moi. Vous avez compris, c'est on voit une personne qui vient comme ça là, un policier armé, il est mort. Okay. Et l'otage. Donc ils disent que la prochaine personne qui voit un policier armé, lui comme nous, donc moi et l'otage, on est tous quick, on est mort. À ce moment-là, je reste à couvert, vous me dites quand ça commence, je vais me poser. Qui c'est qui a un hélico? Vous avez rendu. Ah bah je suis mort. Très bien. Pourquoi t'es mort? Il t'a tué. Pourquoi t'es mort? Ah je crois qu'il s'est gouré. Il a fait oups. Ouais tu t'es gouré? Tu vas intervenir ou pas? Bah oui tirer. Ah non, il y a un otage. Putain, non, tirez pas. À mon avis c'est un fail quoi. Ouais c'est un fail je crois qu'il a fait. On
excusez-nous, c'était un mythe. Y'a pas de Zamac, tant pis pour vous. On voulait pas abattre le type. C'était moi le type. Du coup, on vous ramène un terrain. Voilà. Bon bah vous avez plus de négociateur. Voilà. Ah bah. Nous on a saisi l'otage. Non mais ça va ramener le en échappe. Bah vous mettez ça arrive en hélico moi si vous êtes. Ok tu le déposes. Bon bah je me redéséquipe. Non mais c'est pas d'un pire gosse, je vais éteindre, ça va être un peu plus posé. Moi je me fais plus rapide. Juste en j'ai pour l'otage, c'est désolé hein. T'es où Aurélien? Au Comico de Kavala. Ah, tu peux faire un décor au pire gosse. C'est mal je sais mais... On est obligé. Ouais. Mais qui on a rien vu, on a rien vu. Le plank. Tanimir est un sniper, ouais. T'as vu la recrue. Eh les gars, j'essaye d'échanger un des deux Zamak contre de l'argent, ce sera plus facile, non? Ouais, tu dis ouais, vous voulez pas plus de 500 000 contre un Zamak. Ouais. 500 000? Non, c'est beaucoup 500 000. 250, je commence à combien? 100 000? Tu dis vous voulez pas plus de 100 000 contre le Zamak. D'accord. Ouais, parce que... 500 000 des beignets, oui. C'est un cher tes beignets quand même. Moi je débute avec des pépites d'or à l'intérieur. Attends, faut que je me déséquipe. Il y a un mob de sortie. Il y avait. D'accord. Donc il explose par terre et qui meurt et qu'on n'ait plus les clés. Non, moi j'arrive, les gars, vous allez voir. Allez, ouais, on va attendre que ça soit le jour parce que moi aussi je suis en sniper. Hein. Out of ammo! Deux snipers? Ouais, j'ai une MK18. Ah, une MK18? T'as quoi toi? Désolé pour mon matériel. T'as vu? Désolé pour mon matériel par terre, mon général. Hein, mais si pas, je sais pas le revendre. Désolé. Le supérieur, j'ai demandé, il a fait OK. Ouais, moi je sais que le supérieur. Hein? C'est qui le supérieur? Bah celui-là qui vient. C'est bon, je suis dans l'hélico. Ah, la couette? Non, ouais. Oui, si, c'est lui. J'entends quelqu'un pas loin de moi là. Tu viens de me péter les rotors. C'est ça. Monte à l'arrière, s'il te plaît. Oh mon gars, c'est chaud, le brouillard il bloque aussi. Le brouillard du matin. Attends, je t'ai pété passe. Les rotors. Ouais, ça y est, un bug. J'ai dans mes hélices. Faut attendre que le brouillard du matin il passe. Tu vas attendre Lizzy, c'est pas trop. Oh là là. Discute avec eux, discute. Ah merde, mais c'est vrai qu'il est plus là. Oh. Ah, mais on peut attendre aussi longtemps qu'on veut alors à ce moment-là. Ouais. Donc non, en gros, j'essaye de les convaincre d'échanger un des deux Zamak contre. Pas un des deux, quoi, les deux. Ouais. Bah non, je. 100 000 d'unités. Ouais. Donc un Zamak contre 100 000 ou plus au cas où si. Ou plus si ça leur va pas, donc je monte à chaque fois. 125 000, 100 000. Donc deux. Mais tu vois, c'est bien, tu as 300 000, ça fait combien de prix? Ouais, ça fait. Ça fait 200 000 pour les deux. Non, 150 000. 150 000 l'unité? Ouais. Ok. Pour venir? Ouais. Ok. Mec! Non, mais arrête-toi, il parle. Oh, il est sans pire, putain. Short. Oui, il est parfait, tout à l'heure, on arrive et tout. Attends, si on prend des négociations. On a vu ce qui est passé. Mais si on regarde les parts, c'est pour mettre une pause. Juste les coups, c'est ensuite, ouais. Moi, je vais en prendre. Ah ouais. Bon, problème, c'est le brouillard qui s'est installé là. Qu'est-ce qu'on voyait? Ouais, le chantier dégueulasse.
Lors de l'inter, tu t'es mis à en sniper, j'ai tué. Ouais, ouais, j'ai un sniper. Ouais, je t'ai tué, c'est ça, c'est. Ah, bah. Oui. Maximum, c'était 1500 mètres. T'as combien? Ah, ok, j'ai bravo, Becky. Justement, en moyenne, 700 mètres. Ouais, mais y'a un Ifrit. Bon, en fait. Ifrit. Rectification. Je suis tout seul. Car monsieur Becky qui veut rentrer dans la maison, voilà quoi. Ah bah bravo. Après, il y a du beau ça. Bah, de la chance, ils aient pas encore buté l'otage. Ouais, mais pour ça, ils m'attendent en fait. SUV sur la route orange. C'est quoi le point PAC cela? C'est qu'il y avait un mec là-bas. Putain, ils ont deux hélicos. Deux Hummingbird, ouais, il y en a un posé sur la plage. Et un autre, j'ai quitté pendant la forêt, non? Ouais. Oh non, t'as le stuff quand on meurt. Bah, si tu peux juste mettre un point, bah, ouais, c'est le deuxième. Ouais, 1,5 million. Putain, mais non, mais pas. C'est un autre encore. Putain, okay. Mais. Bon, on finit avec cela et on commence avec l'autre. Ouais, attends, vas-y, envoie leur un message. On arrive, on finit avec un autre. Attends, elle est là-bas derrière la villa? Je sais pas moi. Mise. D'otage. Et moi, Voldoula SU7, cela déjà fini. Merde, d'otage avec un O. Alors, t'as mettre AU avec O. C'est le gars qui s'est tué tout seul. Ah, le con. Qui s'est tué tout seul là. Je vois un des deux Hummingbird là. Il est à la fin de la route là. Comment il s'appelait encore le gars? Vitas Dayton. Tu m'emmènes où tu veux. Ouais, Dayton. Voilà, on va essayer de trouver un petit truc bien sympa. J'envoie à Vitas Dayton, on arrive, on finit avec une autre petite otage. Vas-y. Tu mets le en file d'attente de la police. Comme tout le monde, non avant toi, s'il te plaît. C'est ça quoi. Tu envoies, vous êtes désormais en file d'attente pour les présentages de la police. Ouais. Nourrissez bien votre otage en attendant. Vous pouvez mettre les commandes, on sait jamais si t'as une déco. Attente de la police. Merci. Police. Merci de patienter. Il est où Stanimir alors? Je le vois vite fait. Moi je suis sur la crête. Hein. La crête, tu vois la petite banane là. Je suis là. La petite banane. La petite banane. D'accord, c'est bon. J'ai pas envie de mettre les accents, c'est chiant les accents. Non, ah, et puis de toute façon, ça bug quand tu mets des accents. Ouais, là, tu voulais le faire, mais tu t'es retenu. Hein. Désormais, on vient d'attendre la police. Y'a un de leurs hélicos qui décolle. Quoi, tu veux faire ça d'opping? Ouais. Oh, je l'entends. On descend l'hélico. Ah bah non, ils ont noté alors. Oh, c'est trop chiant. Et y'a un. Ifrit devant. On veut le négo dans le milieu. Mais ouais, mais je sais pas où, je suis devant l'entrée. What? Ça me dit, on a une deux prises d'otage, on peut comment. Enfin, on l'a envoyé un message à l'autre, putain, qu'il était en salle d'attente pour les prises d'otage de la police, mais bon, il va dans le négo dans une minute. Donc, du coup, tu lui envoies que c'est pas possible, et puis que si l'argent est qu'il y a dans la ville, il est complètement. Et en fait, la prise d'otage, j'ai pas le quoi déjà. Non, mais je m'en fous. Ah, lui, quand il s'est écrasé, d'accord. Bon, il y a un sport à faire, tu vas monter dans le véhicule, d'accord? Oui, qu'y a-t-il? Oui, je vais monter dans le véhicule. C'est ça, tu vas monter dans le véhicule avec ça. Qui me demande de monter dans le véhicule? Dans celui, je vous suis là. Voilà messieurs. Vous voulez à la place d'un des deux AMAC, vous préférez pas 150 000 ou... Ok.
Ok, je le Non, on veut nos cafés et nos beignets. Non, ils veulent les cafés. Je monte l'offre. Qui veulent leur café, leur beignet. Mais ils peuvent pas les avoir. Tu peux leur dire que nos effectifs, tous nos véhicules sont sur une deuxième prise d'otage. Okay. Combien de temps il y en aura Oui, mais. 3h56 messieurs, tous nos effectifs sont sur une deuxième prise d'otage, donc on aura un peu de mal pour vous donner ce que vous demandez. Donc c'est pour ça. Pour nous faciliter la tâche. Non, mais les voitures ça va être simple de les défoncer, mais le colosse ça va être plus difficile. Maintenant, si vous voulez rester sur l'offre de base. Et frites. Las Polos. Que quelqu'un fasse partir ce. Oui, oui, on reste sur l'offre de base. On veut du café et des beignets. Putain, ils font chier, ils veulent rester sur le café, on les beignets. On dira où quand on y sera. D'accord. Bon bah les gars, dépêchez-vous à prendre du café là, parce qu'ils vont à un endroit où vous êtes censé l'échanger. Ils bougent. Et l'otage, il va bien? Je voudrais juste avoir des renseignements dessus. Ils sont au-dessus de nous là. Ouais, par contre, l'otage il est pas avec moi, donc j'ai demandé s'il allait bien. Tout va très bien. D'accord. Ils sont compréhensifs, ils demandent de prévenir quand l'autre est fini. Ils sont compréhensifs, désolé les autres. Essayez de ramener les hamacs au plus vite là, ils m'emmènent à un endroit, ils veulent les changer là-bas. Ah, j'ai déjà essayé de proposer contre l'argent et tout, ils veulent pas. Attends, on va décrocher. Maintenant, on a pas la stache où est Cédric. Prends les stache où est Cédric. Ouais, faut là, si tu descends maintenant, on est dans la merde. Faut aller me choper. Ouais, mais il y a un micro rebelle au-dessus. Ok, au pire, ce qu'on fait, c'est que vous les prenez en embuscade. Vous faites. Je leur dis, oui, monsieur, on a les amas, on est occupé de les charger et tout. Ils m'emmènent. Ouais. Ils m'emmènent au point, mais ils viennent quand à deux ou un Ifrit, je sais pas, j'arrive pas à voir l'autre. Ils se ramènent au point de ralliement. Donc là, vous venez et vous intervenez, et, ça part en fusillade. Négatif, il n'y a qu'un Ifrit. Hein. Et on est. Et ils sont trois dedans. Par contre, s'ils bougent plus loin, s'ils bougent dans des zones montagnards, là, c'est. Ouais. Bah, du coup, je serai le négociateur à la deuxième prise d'otage, donc je suis à poil. Que des tout-terrains. Bon. Elle est où la prise d'otage, les gars?
Ok, donc je leur... Je leur dis qu'on a accès qu'au tout terrain. Tu dis que les... Passe-moi les clés s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Tu dis que les supérieurs sont occupés à autre chose, nous avons des tas en tout argent. T'inventes un truc. Et donc tu dis que... ils ont un... Vous avez... C'est quoi votre véhicule tout terrain? Ouais. Les recrues donc la haillon. Le brigadier. Les brigadiers, eux, ils ont les SUV et les pick-up. Je m'occupe de la valeur dans l'aéroport. Alors, John Dayton. Qui fait le négo? Du coup, je leur dis quoi? Bah, tu sais quoi, les mecs qui font un petit peu de oui, mais je leur dis. Donc, tu dis que les bombardés ne sont pas à la fin de son club puisqu'on a un coup d'état. Du coup, le brigadier, c'est à l'intérieur. Brigadier, ouais, on a le SUV et tout. Ok, bah du coup, vous leur dites que vous pouvez leur passer de tout terrain, vous SUV, c'est tout ce que vous pouvez faire. Attends, les gars, c'est du coca et du café, c'est bon. Je vous passerai de l'argent et puis c'est bon, quoi. Ok. Le SUV plus argent. Donc, ouf, contre. Si tu... on va récupérer les snipers, on va voir. Page. Plus. Voilà. Donc messieurs, il y a une information qui vient de tomber. Je suis désolé, on ne pourra pas vous procurer les deux AMAC. Mais j'ai autre chose à vous proposer. Vu que les supérieurs sont occupés, une réunion d'état et tout, on a accès qu'au tout-terrain. Donc vous aurez deux SUV, donc un de café et un de donuts. Plus de l'argent contre l'otage et le négociateur, d'accord? J'espère que ça vous va. Quel con, j'ai vendu mon tout terrain. On n'a pas encore établi la somme d'argent qu'on va vous donner, qu'on va rentrer en jeu. Ouais, donc c'est la somme d'argent, c'est combien là avec eux les deux SUV? Hein, je leur donne con. Je leur donne combien là? Je leur propose combien d'argent avec les deux SUV? 250 000? 150 000? Non mais les gars, on va pas donner tout terrain. Enfin quoi que le meilleur capacité c'est quoi, tout terrain ou SUV? SUV je crois. Mais je propose non. Deux SUV, donc un de donuts, un de café et l'autre avec deux, et plus un peu d'argent quoi. C'est tout terrain. Contre l'otage et moi je commence les offres de l'argent à 150 000. Donc, je sais pas si ça vous va. On peut pas faire plus, on peut pas vous procurer les AMAC par contre monsieur. Ok. Et sort de l'argent aussi, je te dirais combien, mais là ils m'ont toujours pas répondu si ça leur allait ou... Donc... parce que je leur ai proposé 150 000 aussi d'argent en plus contre l'otage et moi. Tu vas nous livrer 4 tout-terrain, 2 de café, 2 de donuts. Ok, okay. Il demande 250 000 euros. Il nous demande 2 de café, 2 de donuts et 250 pour 000 le, euros. Pour le temps perdu. 2 de chaque. Et 250 000 euros. Attendez monsieur, je parle à mes collègues. Ouais. 2 de café, 2 de donuts, c'est 250 000 euros. Ah merde, ouais. Et moi j'aurais pu largement poster sur la deuxième prise d'otage. Bon choix. On dit que ça c'est ok ou... Bah les deux, là, deux là, vous êtes pas assez quoi. Ouais, c'est ça le problème. C'est chiant, dis-leur juste un. Monsieur, juste un de chaque parce que c'est parce qu'on est en sous-effectif pour l'instant, donc on voudrait bien vous les On t'a dit quoi là? On voudrait bien vous les procurer, mais c'est manque d'effectifs d'officiers. Si pas, c'est pas contre notre volonté, hein. Et pour les 250 000, c'est normalement ok.
Donc j'ai dit que c'était pour les 250 000, c'était ok qu'il y aurait que un SUV de café et un de. C'est un tout terrain, un tout terrain. Bah j'ai pas dit, j'ai juste dit un de café, un de donuts parce qu'on était en sous-effectif, mais que c'était pas contre notre volonté, c'était à cause de notre sous-effectif pour éviter qu'il commence à s'énerver. Ah, 250 000 euros plus. Ok, bah je vais m'en fourrir. Vous posez où les autres? La frontière. Putain, enfin, je trace parce que moi je dois aller. Attends, il veut quoi, café et donuts? Un, ouais, ils veulent deux de café, deux de donuts et 250 000 euros. Mais j'essaye de descendre à un. Parce qu'on n'est pas. On n'est pas assez pour les livrer en fait. Ok. On doit aller où? Donc t'en as donné que deux, hein. Un de café, un de donuts. Non, on a pas le choix, de toute façon. Et tu prends les 250 000, ok. Ouais, monsieur, les tout-terrains sont prêts. Ta gueule. Tu peux vous tenir informé, on va vous livrer les 250 000 euros. Ferme ta gueule, on ne doit plus t'écouter là, tu nous énerves. Tu nous donnes des conneries là. Non, non, monsieur, je vous donne pas des conneries. J'essaye juste que tout le monde s'en sorte sain et sauf. Je veux plus t'entendre. Vas-y, baïonne-moi le. Ça y est bon, t'es baïonné, tu fermes ta bouche. Stukov, je te donne 50 000. Ouais, mais faut qu'on aille où? L'hôtel abandonné. Là où il y a marqué pourcentage. Ah, il était l'hôtel d'hôtel. Il faut rien marquer. Hein. T'attends. Je sais pas, ils ont bougé. Brigade d'Aurélien. Mais on sera armé, il faudra leur dire qu'on fait rien. Ça leur plaît pas, ils m'ont baïonné là, ça leur plaît pas. T'es où là? Je sais pas. Il est à la frontière. On est pour là pour l'instant, on est à la douane. Bon. Ils ont bloqué et un drop. On a à la douane du coup, non? Bah, je sais pas parce que on est armé. Ah bah la pénalité mon petit. Bah, c'est pas grave tant qu'on fait rien. Non, moi y a personne d'autre qui est avec moi. Mais n'intervenez pas. Pour qu'ils prennent le contrôle du SUV du tout terrain parce que moi j'ai posé plus loin. En D5 total. Désolé. Elle est pas là. Exit échoué. Il est pas là en entrée, c'est bon, on l'aperçu. Bah, je suis sûr, je vais arriver, je vais me faire tomber. Les gars, j'ai pas tout compris, il y a quelqu'un qui va me griffer devant, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, eux pas contents, donc eux ils vont voir de neuf, nous pas savoir où falloir qu'on mette de neuf, donc nous dans la merde, les personnes vont nous expliquer. Bah, attends, je vais leur envoyer un message. Les personnes qui est capable de nous dire où on amène les neufs. Je suis baïonné, je ne peux plus rien dire. Leur dire, voulez-vous les donuts? Oh, ils bougent vers nous là. Ils veulent quoi? Ils veulent des donuts? Ouais, des donuts, des cafés et 250 000 euros. Je vais leur dire où voulez-vous les donuts et le café. Exit, continue, exit, continue. Mais moi, ils m'ont baïonné donc je peux plus leur parler rien. Je répare, je m'en fais. Parce que parce qu'on les a énervés là, à leur en donner qu'un au lieu de deux. Bah, on a pas le choix. Alors... Je vais leur dire où voulez-vous les donuts et le café. Bah, ouais, parce que moi, je peux plus rien dire là, ils m'ont baïonné donc. juste un truc là, j'ai pas eu le temps de voir. Le brevet de pilote et garde code 0$. Elle est gratuite. C'est gratuit? Ouais. C'est bien d'être dans la police. Hein. Bah ouais, trop. Ah, y'a tout sauf la bouffe qui est gratuit. Pour les deux. C'est soit garde code, soit le brevet de pilote. Non, tu peux prendre les deux, garde code c'est pour le bateau et. Merde, il frit, pilote c'est pour les libos. Merde. Pourquoi vous êtes intervenu là? Je continue vers le. Putain, ça va chauffer pour moi, les gars. Pourquoi vous êtes passé par là? C'est bon, vous avez l'argent.
on les shoot si jamais les otages sont en sécurité. Hein. Ok, deux secondes. Du coup, je joue où les coups. Est-ce qu'ils veulent que je te laisse tout seul? Que je vienne aussi. Je le fais. Dépêche-toi! Allez, monte dans la crête. Faites gaffe par contre, y'a un hélico. Attends, vas-y, monte. Je suis dedans, monte. Monte dans la crête. Vas-y, monte. Ils vont rien te faire pour l'instant. Je suis dedans. J'ai plus rien. Hein. On se fait maltraiter à ce jeu. Ouais. Ils t'ont pas pris des armes quand même. Ta gueule, le coffre. Est-ce que tu tiens à ta vie, policier? Si tu rouvres encore une fois ta bouche, tu prends une balle entre les deux yeux, c'est compris? Les gars, je fais quoi là? Tu sors, tu fais ça sommet, tu fais ce qu'ils disent. Je suis pas sorti, moi je suis encore dans le coin. Dors. Dors, Cédric. Ils m'ont dit de sortir. Ouais, fais ce qu'ils disent. Mais moi je suis plus là, je suis plus dans le tout terrain, moi je suis dans une maison. On va tout. Ouais. On va tous se faire arrêter par les Fritz là. C'est nous les flics, mais c'est eux qui nous arrêtent. L'otage, je sais pas où il est. Ils ont dit tantôt qu'il allait bien, mais là, je peux plus l'ouvrir si pas il nous plombe. Non, tu dois monter dans l'autre, toi. Monte dans celui qui est pas sur la route. Ah, dépose. Ah bah si, tu vas pouvoir monter dans celui-ci, je crois. Je me sens con, moi, dans ma maison avec mon snipe. Ouais, surtout qu'on n'y est plus, tu sais, mais bon. Tu vois encore du mouvement là-bas, parce que ça se peut que l'otage il y soit. Non, ce que tu comprends pas, c'est que là, moi, je vous ai en visu, là, j'ai en visu sur les deux ifrites. Ah, ok. Bon, les gars, pensez que vous n'avez plus de radio, maintenant vous communiquez plus du tout avec l'état-major. Ni de radio, ni de GPS, ni rien, pas de micro dans le cul, on vous a fait un lavement anal. Ah mais si tu l'as vu l'otage. Ça, tonton. Ils m'ont pas mis à poil, j'ai de la chance. Bon, on peut plus communiquer avec vous, donc désolé. Ouais, mais bon, c'est succès au complet pour les rebelles. Merde, les gars, ils m'ont fait, c'est moi les gars, ils m'ont fait. Ils nous ont fait un lavement anal au cas où si on avait un micro dans le cul. Ouais, pareil. C'est le véhicule de police. Ils vont prendre le deuxième. Ils sont contents, ils ont des honnêtes. Et vous croyez que si on arrive à prendre un de leurs gars en otage, vous croyez qu'il y a moyen de négocier? Bah t'es à poil. Non, pas moi. Là il est dans la maison à coup. Mais toi t'es tout seul et on se barre. T'es tout seul. T'as trop envie de péter, je suis sûr. T'es trop mon gars, j'ai une visée sur vous. Tire. Mais je vais pas tirer, ils vont péter l'otage. Tu veux faire quoi? Tu veux pas rester solo à rien foutre? Eh si, ils vont faire la banque. Ouais, dans la merde. Ouais mais moi j'ai pas mon assurance. Oh non. Non, j'ai mort. Je vais perdre toute ma thune. On est mort. Je te hais, tonton. Allez, t'as fion, on descend.
Vous voulez pas que je bute, vous voulez pas que je les bute là juste par hasard, hein? On a plus rien à perdre. Non plus rien à voile. Le papou voile pas aller. M3 500 mètres. Ok, vous êtes menottés l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez plus bouger à partir de maintenant, c'est compris? What the fuck? What the fuck? C'est le sync. Il y a un petit sync. Souci là. Ouais, il y a une desync. Ah, il y a un petit souci. Descends. Je sais pas ce que je suis censé faire. Il y a un petit problème de désynchronisation là. On en a marre tout fois. C'est nous, Zenos. Moi de voile fait. Moi de voile fait. Bon, on s'excuse, c'est pas grave, on en a un autre qui a de la vie. On va t'accrocher à l'autre. Allez, go, go, go. Tu vas avec les filles, tant pis, on va dire qu'on s'en fout. Ouais, bah moi de toute façon, je vais les bouffer. J'en bouffe, tu sais. Allez, non, vous êtes accrochés les uns l'un à l'autre. Juste, vous vous demandez de rester debout pour être en visuel de vos copains policiers. Hein. Vous levez, vous êtes menottés. Ne l'oubliez pas. Je vais les buter. Le buter? Mais non, je veux les buter. La buter? Mais je sais pas, c'est... Levez-vous. Debout. Non, parce qu'ils ont l'otage, quand ils auront sauvé l'otage, tu les buteras. Mais on... Debout. Et vous me suivez. Qui veut garder l'otage? Et vous me suivez. Dépêchez-vous. Bah avance, le gars du là. Et vous vous mettez là, ici. J'ai pas pu parler. Voilà. Et vous bougez plus, vous souriez. Et vous, voilà. Et les orphelins de la police vous remercient. Oui. Aurel, on est dans la merde. Ouais. Aurel, je te propose un truc, mais c'est trop risqué. Quoi? On court? On ouvre la porte, on se barre. Moi tantôt j'allais fouiller dans son sac, tu vois, pour essayer de lui piquer une arme, mais c'était pas très RP. Les gars, si vous voulez essayer de vous échapper, je peux vous aider. Hein. Attends. Est-ce que t'as une vision sur la porte de la banque? Oui, j'ai une vision sur la porte de la banque, j'ai même une vision sur un gars qui est couché. Et deux gars qui courent. Y'a un gars allongé derrière nous. Ouais, un gars derrière vous. Et ils sont deux maintenant. Ouais, ils sont deux, attends. Faudrait que tu fasses très vite alors si tu veux les buter. Hein. Et en plus, je suis le premier qui vise, je parie. Ah, j'entends plus rien avec l'hélico, attendez. Attends, j'entends plus. Non, mais t'es sérieux? On sait pas se pencher, on a plus d'armes. Alors, mettez-vous accroupi. On dit mettez-vous accroupi et on vous a dit c'est pour le signal pour dire que je tire. Ok. Mettez-vous en garde à vous. Ouais. Ah mon dieu. Mettez-vous en garde à vous. Hein. Channel switched. Ouais. Merde. En fait, regarde, il y en a juste un derrière nous. Il faut tourne pas, tourne juste ta tête. Parce que si pas. Ils vont te dire que tu bouges et ça va pas leur plaire. En fait, il y en a juste un qui est derrière nous. Il faudrait qu'il bute le mec qui est derrière nous pour qu'on puisse courir pour sortir. Ouais. Il a dit de nous mettre à genoux, mais je me prends la balle. Hein. Putain. Là, faut être très intelligent. Attends, il vient. Alors, en fait, il faudrait qu'il... Ah, c'est arrivé. Non. Non, tu m'as loupé. Oui. Eh, hey, t'as encore loupé. Mais, je vous ai dit d'être debout. Ah, reste debout. Debout. Et vous regardez vos copains qui vont arriver. Ne nous assommez pas, monsieur. Ah, j'ai pas fait ça, moi, c'est pas possible. Je suis pas comme ça. Mettez-vous pile poil devant la vitre. Voilà, je veux que vos copains vous voient à la lumière. Voilà. C'est voilà. Le moment, c'est et le vous moment. Souriez, vous faites des coucous, hein. C'est le moment. Je garde à vous, s'il vous plaît. C'est le moment. Aurélien, regardez-vous. Voilà, c'est bien. Oh. C'est le moment. Attends. C'est pas moi, non. Putain, il veut pas rester au garde à vous, mon perso. Je peux tourner la tête au garde à vous. C'est juste un merde, il faudrait qu'il le flingue. Il l'a pas eu, putain. Form on me. Tu me donnes les infos parce que moi je vois pas. Y'a
Oui, il se cache derrière un poteau, mais il s'est fait tirer dessus. C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on m'a tué? Je sais pas. Pourquoi on m'a tué? Et pourquoi il m'a flingué, ce con? Pourquoi tu m'as flingué? Putain non, faut pas qu'il tire, faut... ou s'il tire il rate pas. Parce qu'il avait tiré, c'est pour ça. Putain, j'aurais bien essayé de m'enfuir. Et puis je baisse le garde à vous, il m'abat donc. Chier. Je sais rien faire, je sais rien faire. Putain, je vais avoir une crampe au doigt, reste appuyé sur la touche de garde à vous là. Bon, mon lieutenant. Gnose. Ouais. C'est eux qui t'avaient demandé de te mettre au garde à vous. Bah ouais. Ouais. Ah merde. Juste quand je dis que vous devez être en garde à vous si vous voulez vous échapper. Bon. Non, tu nous avais dit accroupi. Non, je t'avais dit accroupi ou garde à vous. Eh mec, là tu le plombes. Si t'arrives à le plomber, j'arrive à me casser. Merde. Désolé, petit bug. Moi comme à quoi je me suis dit faut que je tire, mais non la balle, mon fusil était mal placé. Eh si tu retires tu le loupes pas parce que si pas il me tue. Ouais ouais, allez, tu gars, il a dit le prochain tir sur la banque, le deuxième il meurt, donc là franchement t'as pas le droit à l'erreur. Tu mets bien ta remise à zéro. Un beau tir létal en dessous de l'oreille ou juste en dessous du nez là. Ou vraiment entre les deux yeux si t'es un boss quoi. Pour toucher le cervelet. Bah déjà tu le mets dans le ventre. Attends, appelle le gars et dis lui j'ai besoin d'aide. Moi je dois lui dire ça. Ouais, tu dis attends, mais mon caleçon il est en train de descendre. Oula. Ah bah si t'es baïonné tu fais rien. Ah ouais, bah je sais pas s'ils m'ont débaïonné en fait. Ouais, mais ils m'ont dit si je tenais à ma vie, je devais plus parler. Bon allez, c'est Rick, mets-en une belle là. Ouais. Attends. Je suppose qu'ils m'ont débaïonné. Monsieur, j'ai besoin d'aide. T'as le pont, il s'est détaché. Attends, avant de bouger. Monsieur. Attends, on va faire quoi que ce soit. Gnoz. Tu me dis quand c'est bon. Monsieur, j'ai besoin d'aide. Il y a Percroy, il a des lettres. Je répète, il a quand même des lettres. Mon caleçon, il descend. Ah ouais. Vas-y, attends. Qu'est-ce que tu racontes en bon. Mon caleçon il descend. C'est pas grave, ça, c'est qu'un flic. il est là, il était devant la fenêtre. On s'en fout, voilà. Tu l'as vu? Faut qu'il soit au confort quand même. Bon les gars. Quoi? C'est bon, je suis placé. Allez, je suis avec toi. C'est bon, il y en a un qui est couché. Je peux niquer. Allez, c'est Rick. Et il y en a un autre maintenant, il y en a un autre. Putain, c'est 530 mètres, j'ai jamais verré ça, c'est ce truc là. Bah, ils sont deux, je suis mort. Non, t'attends. Ouais, il passera après le conflit à Kavala. Ok, j'en ai un en visu. L'autre il doit te viser, non? Il a coupé. Je sais pas. Non, il y en a un qui est couché, l'autre. Il y en a un qui est couché, l'autre qui est debout. Ah, franchement, t'abuses de m'avoir fait descendre comme ça. Mais mon gars, mais j'avais dit garde à vous. Si jamais vous avez. Vous êtes devant, vous êtes mis en garde à vous. J'ai cru que c'était bon. Mais c'est le mec qui nous a dit. Non, et toi, t'as dit tu te mets accroupi. J'ai dit accroupi ou garde à vous. J'ai fait descendre. Oh putain. Le temps pour la T'as totalement basé.
crois vraiment d'aller se mettre devant la porte comme ça l'air rien. No whisper target found. Il n'y en a plus qu'un, il est couché. Il n'y en a plus qu'un, il est couché. Juste derrière les escaliers là, t'as les escaliers qui montent et il est juste là, à l'endroit du PNJ quasi dans le comico. J'arrive pas, j'ai pas de vis, j'ai plus de vis sur eux. En plus t'as un hélico qui me survole. Attends, au pire je lui demande à boire ou à manger quoi. Dis que tu vas crever de soif d'ailleurs, c'est pareil pour moi. Ouais. Putain, n'empêche, j'étais MDR là pour le caleçon qui descend. Monsieur, pouvez-vous me donner à boire là parce que j'ai soif là, j'ai la bouche sèche, je vais bientôt crever de soif. Ce serait gentil de votre part. Vous avez fait des flavons, mon lieutenant. Ah mais attends, il est peut-être sur le toit le gars en train de viser. Je vais les autres étages. Attends. Vas-y, fais un coup de visu là, moi je lui ai demandé à boire, il m'a toujours pas répondu. Quel enfoiré. Bon allez, moi je reviens, je vais aller démouler un cake. On est content de le savoir. Oui, je vous invite, y'a pas de problème, on fait ça ensemble. Ah, ça ira. Oui, quoi ? Putain, l'enculé, il a pas bougé de sa place. Ouais. Je peux bouger pour boire, monsieur ? Je peux retirer le garde à vous. Regarde, merci. Oh putain, quand j'avais un visu sur lui, il a disparu, le gars. Merci, monsieur, ça rafraîchit. Il était là. Ok, il est derrière toi. Merci monsieur, c'est gentil de votre part, ça rafraîchit, ça fait du bien. Je monte avec toi, s'il te plaît. Ok. C'est bon. Tu es derrière des kikou qui s'amusent sur toi. Passe de Kavala, ça tre. Y'a pas oublié des mots. Ça troll, français. Ah, moi non, ça tire. Ouais, bah on va s'occuper de ça. Ouais, il tire parce qu'il y a eu un mort. Putain, il était se remettre cet enculé. J'arrive pas à le voir. Si j'aurais eu un lynx, j'aurais pu tirer à travers le mur. Ouais, tout ça, c'est de ta faute. Mais on s'en fout de vos petites querelles à la con. À Kavala là. Il y en a un qui monte. Ouais, je l'entends. Ok, quand j'en butin, je te propose de courir. Ok. Mais fais gaffe, faut que j'ouvre la porte. Hein. Il va à pied. La porte, elle est fermée. Ouais. C'est ça le problème. Foyer, s'il te plaît. Putain, désolé, ça bug. S'il y a plus personne qui te regarde, mon gars, tu peux y aller tout de suite. No whisper target found. Attends. Non, y'a toujours le gars qui est couché à mes pieds là, quasi. Putain, y'en a un qui est en haut. Tu tires pas. Qui est aux étages au-dessus. Tu tires pas. Ok, y'en a un qui te regarde. Il est parti par derrière. Ouais. No whisper target found. Non, il est toujours là, il a pas bougé de sa place. Ouais, non, mais y'en a un autre là. Y'en a un qui bouge beaucoup, quoi. Ouais. En tout cas, tu tires pas pour l'instant. Ils demandent, on dit qu'ils étaient en domination totale. Hein. Tu veux pas t'en faire quasiment rien faire. Hein. Déranger. Ouais, de toute façon, on a perdu la quasi. Ils sont occupés de braquer la banque en plus. Je vais devoir retourner bouffer. Mais attends, on s'occupe vite, fait 5 minutes de truc. De toute façon, je vais revenir. Ah, missionnaire, il y en a deux qui braquent la banque. Et un qui vole. Ouais. Et l'autre qui est occupé en hélico à regarder ce que je suis. Il y en a un qui est énorme. Fais gaffe aux signatures thermiques. Hein. On le tase. Ils ont une signature thermique. Je le tase. Bah, je suppose, je te propose de faire attention, on sait jamais. Ah, t'inquiète pas, je suis dans une maison, là, je suis couché sur le balcon d'une maison. À chaque fois, je crois que c'est Jivien qui dépasse du sol, là. Eux ? J'ai peur que si j'ouvre la porte en fait. Attends, je peux leur proposer un truc. Je demande d'ouvrir la porte parce que j'ai chaud. T'es mort. Ouais. J'ai le soleil qui me tape en pleine figure, ce serait bien d'avoir un peu d'air. Vas-y, je lui fais. Il est debout, il regarde avec des jumelles. J'en profite. Vas-y, tire. Place lui la balle.
Allez. Avant qu'il reprenne son arme. T'as tiré ? Meurs ! Meurs ! Cours, 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 cours. Mais pas dans cette direction. Mais c'est fermé. Je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Déjà, vous êtes recherché pour un meurtre, monsieur. Ah putain, je tremble. Je tremble. Viens me chercher. Viens me chercher. Gars, je te couvre. Je cours vers où? Cours. Pas des problèmes. On va faire une prison. J'irai vous chercher après. Putain, 36% de ma vie, mec. Vous avez 15 minutes de prison. Je passe le pont. Va vers le... Non, va dans l'eau. Va te planquer dans l'eau. Ok. Fais gaffe, ta gars. Ta gars, il passe par derrière le dos. Je sais pas nager. Je vais y aller le faire après. Donc, je reviens dans 15 minutes, vous libérez. On nage comment? Les gars, couche-toi. Qui c'est qui a arrêté Baranova, là? Baranova. Putain, ça tire. Par contre, je nage super lentement, j'ai besoin de reprendre ma respiration des fois. Eh, mais c'est le pays des piges. Vous êtes sur quoi là? Buddy left your channel. On est sur Arma 3. Putain, mec. Vas-y, tire. Ah, très bien. C'est tout quoi, viens. Putain, attends, moi je vais devoir aller manger. J'ai mis un mec en prisonnier. Putain, ça tire. Tu l'as eu? Oh putain, on est des boss si on arrive à s'en sortir. Mais il y a l'hélico qui est juste au-dessus de moi, je parie. Envoyez des collègues, demandez s'il n'y a pas quelqu'un qui sait nous récupérer. McKnight, tu reviens. Je reviens dans 10 minutes, faut que tu le sortes. Okay. Dans 10 minutes? Ouais, dans 10 minutes faut que tu le sortes. Je reviens, je vais manger. Moi. Ok, bon. Putain, non, mais ils sont relous, ils vont faire que me suivre. Bon, monsieur, est-ce que vous pouviez me laisser tranquille juste 2 secondes? Moi, je fais ma petite brasse là, je reprends l'air de temps en temps. Faut reprendre de l'air hein, quand on nage. Ouais. Manger, ça va alors. Je vais me mettre là en AFK, je reviens après. Fais gaffe, y'a des gars. Les gars, ils sont posés en hélico. De quel côté? De l'autre côté de. De toi, à côté gauche. Gaffe, ça tire. Moi, je sais. Attends, tirer, je sais pas où c'est. Je vais manger, je reviens vite. Ok. Putain, oui, ça tire. Vas-y, toi, essaye de les dégommer. Putain, c'est toi qui tire là, tous les tics. Tic. Hein. C'est toi qui tire depuis tantôt. Ouais. Ça va alors. Par contre les booms là c'est pas toi. Non ça c'était pas moi là à l'instant. Donc ça c'est toi les petits tics. Cool. Putain encore heureux que t'as décidé. Je suis bientôt à arriver là. T'es où? Ah, t'es juste en face. Ouais, je suis dans la maison juste en face. Mon perso, faut pas courir. C'est bon. I'm hit. Je vais essayer de m'abriter derrière la maison, mais normalement, là d'ici, ils peuvent plus me toucher. Hein. Ok, je cherche. Ils ont un sniper qui part, je cherche. Ouais. On est des BG si on arrive à s'en sortir indemne. Enfin indemne non parce que j'ai déjà perdu pas mal de vie. Putain en plus je suis parti du mauvais côté parce que j'arrivais pas à ouvrir la porte en fait. Va te planquer. Je monte avec toi, t'as une arme pour moi? J'aurais juste mon taser. Ouais c'est déjà mieux que rien. Je te propose de garder l'entrée. Toi qui rentre là. Ah ouais. Dans mon sac, mon taser. 9, oh, putain, rally up.
Je suis mort. Ah d'accord, je sais où c'est, Oh putain mon gars, désolé. We got a man down. Putain, t'as une énorme, t'as une voix énorme toi. Oh, ils m'ont tué aussi. Putain. Ouais, GG à toi, n'empêche. Oh, j'en ai tué deux. Ouais, ouais, GG. Tu m'as permis de sortir, ça c'est cool. Putain, en plus, t'as vu ça, comment je suis passé. En fait, tu vois, en plus, à la sortie, il y avait celui qui était derrière moi, là. T'avais celui qui était derrière moi. T'avais celui qui était derrière moi et t'en avais encore un autre couché et un autre accroupi en fait devant la porte par laquelle je suis sorti. Donc en gros j'ai eu la blinde de chance. Eh ils ont fait disparaître un bâtiment ? En comico ? What ? Ça fait bizarre. Ah, en tout cas, j'ai filmé ça, hein. J'ai lancé l'enregistrement. Donc, attends, je vais aller l'arrêter. Donc, voilà. Ah putain, c'était épique. On a rien pu faire pour la banque, hein.